Allez, ça me casse les couilles là, vas-y, c'est bon, j'en ai marre là. Alors oui, je suis pas coiffé, mais alors j'en ai rien à foutre, hein. T'es jamais coiffé. Mais je vais t'enculer. Pourquoi on me respecte jamais? Pourquoi j'ai pris un accent de merde quand j'ai fait ça? Eh, c'est ouf. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Il y a deux semaines, si vous me suiviez sur Twitter, d'ailleurs, bah, si tu le fais pas, bah, suis-moi maintenant. Plus on est, plus on rit. Alors tu te bouges le cul, parce qu'une armée, ça se construit pas comme ça. Allez, on se dépêche, les enfants. Oh. Des vrais gosses, hein. Donc, il y a deux semaines, je suis passé à la télé. Mais je m'y attendais pas, tu sais. Le soir même, je commence à recevoir au taquet de messages. Eh, t'es passé à la télé. Va voir France 3, t'es passé à la télé. Moi, je me suis dit, oh putain, j'espère que c'est pas le porno que j'ai tourné hier. La chance tourne, les amis. Bah, en fait, non. Il y a un dicton qui dit, quand t'es un galérien, ah bah, tu le restes toute ta vie, enculé. Alors, oui, je suis passé à la télé. Ah, oui, c'est super. Allez, on applaudit, hein. Ouais, je suis passé à la télé. Fermez-la. J'ai même pas été cité. Déjà, j'ai cru que c'était pour un truc, mais de ouf. Je me suis dit, ça y est, mais comment on peut parler de ma chaîne sur France 3? Et puis, j'ai regardé l'extrait. Des abonnés SFR, Red ou Numéricable, qui mettent en scène leur déboire avec le service client, c'est presque devenu une catégorie à part entière sur les plateformes de vidéos en ligne. SFR, SFR, rien du tout, hein. Si. Je suis passé que deux secondes. Et on m'a même pas cité. Moi, je vais porter plainte. Où mon portable? Le numéro que vous avez composé vous dit d'aller vous faire enculer. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que je passe pour SFR. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. S'il y a bien un groupe contre qui je ferai la guerre jusqu'à mon dernier souffle, c'est bien SFR. Oh, les gars, ils m'ont fait la misère. Aujourd'hui, j'ai une connexion, mon gars. Par exemple, si moi, je regarde un film de cul, ah, mais c'est mort, mais plus personne peut aller sur Google. D'ailleurs, ils se plaignent souvent, hein. Je suis chez eux depuis des années. J'ai 10 Géo de 4G pour 24,99€. Bon, déjà, c'est une grosse douille. Ça, c'est mon cul, ça, c'est SFR. Voilà. On aime bien. Mais vu qu'on n'a pas de connexion, la 4G, je la bouffe en 2 jours. Putain, mais merde. Et d'où tu te lances tout seul, toi, enculé? T'as encore un site sponsorisé par SFR. Ouais, je suis énervé. Bon, au moins, ils ont choisi le bon passage, c'est sûr. J'ai quand même réussi à faire rire France 3, c'est pas rien. Mais bordel, choisissez une autre capture d'écran. T'es ma... Noni. Ma chambre, c'est Bagdad. Oh, c'est la brocante du coin. Et puis, regarde-moi cette tête de con. C'est vrai que là, on regarde, on se dit, putain, les mecs, là, c'est un youtubeur. Hein. Oh, là, je l'ai senti, ça. T'es ma, son lit, il est même pas fait. Oh, t'as tous les clichés des ados dans une seule photo. Bon, le seul truc qui est bien dans ce passage, c'est que je suis mieux coiffé que maintenant. Mais le pire, c'est pas ça. Vous savez comment ils ont trouvé ma vidéo? Alors, c'est hyper simple. Ils sont allés sur YouTube, ils ont tapé SFR, ils ont descendu. Et ils ont trouvé ma vidéo. Mais c'est pas la mienne. C'est celle de la Play Comedy Club. Ça veut dire qu'ils sont même pas tombés sur ma chaîne. Putain, mais je me fais bizuter. Bonjour, bonsoir. Ferme ta gueule. C'est bien de faire un reportage sur France 3. Bravo les mecs. Hein? Fallait le faire 3 ans avant. Regardez ma connexion. Je peux pas jouer avec ça. Mais t'es ma 348 de ping. Mec, le temps que mon joueur bouge sur un jeu, j'ai le temps d'aller me faire un café. Je bois pas de café, mais je t'emmerde. Télécharger une image chez moi, c'est un combat. Mais laisse tomber, si on m'achète un jeu à Noël. Mais je pourrais y jouer qu'en mars, le temps que je le télécharge. Quand je dis SFR, SFR rien du tout, c'est vraiment SFR rien du tout. Vous allez voir, moi je vais les appeler SFR. À la flemme de vous répondre. Mais fuck! En vrai, j'ai fait vanne de balancer mon portable super fort, mais il a coûté 380€, j'ai pas envie de le... J'ai mal. Et puis France 3, quand vous prenez des extraits, citez-nous! Bon, après, je vous ai fait marrer, et ça... Moi, je suis plutôt fier, hein, je... Mais attendez, France 3, mais je suis pas déjà passé sur France 3? Eh ben si! La star s'est fait encore prendre à son insu! Je me la pète un peu trop. Et cette fois-ci, pour toute autre chose! Attendez, je dois avoir un fichier. Donc, c'est nécessaire. Pour repartir, bah c'est le plus grand. Non mais arrêtez. Arrête, non mais arrête, ça m'énerve vraiment. Et là aussi, vous m'avez pas cité. Vous auriez pu mettre Rafale, superstar de YouTube, c'est faux. Mais cette histoire, il faut que je vous la raconte. C'était en hiver, j'étais au lycée et il y avait de la neige. Non, je vous assure, il y avait de la neige. Et les mecs qui conduisaient le bus, ils voulaient pas travailler. Donc du coup, sur 1000 personnes dans le lycée, on devait être quoi? Une centaine. Mais moi, je savais qu'il allait avoir personne. Du coup, je fais à mon père. Non mais papa, il y aura personne au lycée. Vas-y, c'est bon. Pas obligé d'y aller. Il faut que tu y vas à l'école. C'est bon, en plus, il va y avoir personne. Casse pas les couilles. Ah, t'es le malade celui-là. Il est où mon cartable? Bon bah du coup je suis allé au lycée. Et en arrivant sur place, bon déjà j'étais le seul. Je vois les caméras de France 3. Bon déjà ils m'ont filmé en train de sortir de la voiture. Parce que déjà bon ils savaient que j'étais une star. C'est faux. Putain, mais t'es masse beau gosse. Mais le pire c'est qu'ils m'ont interviewé. Et vous savez pourquoi ils l'ont pas mis? Réconstitution de la scène. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que ça vous gêne qu'il y ait pas de bus? Bah ben, en fait j'ai en voiture.
Allez, salut. J'ai foutu un 20 à France 3. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pas cité, en fait. Vous êtes rancunier, hein. Bref, en tout cas, c'était bien marrant de voir sa gueule sur France 3, parce que ça arrive pas tous les jours. Même si j'aurais préféré que ça aurait été pour une autre cause. J'espère au moins que j'ai fait rire beaucoup de gens avec ce jeu de mots de merde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. S'il m'arrive des choses comme ça et que j'ai autant de visibilité, c'est grâce à vous. Merci à France 3 d'avoir pris mon passage, hein, c'est super sympa. Ça fait toujours plaisir. Et c'est fait. Sortez-vous les doigts du cul. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche des familles pour les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux. Mais putain! Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook. Moi je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Et je me casse parce qu'il faut que je rappelle SFR.